Chers amis, chers internautes, je vous dis bonjour. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fin d'après-midi pour les autres. Et je suis très heureux de pouvoir commencer cette nouvelle rencontre avec vous en espérant que nous puissions aller jusqu'au bout de cette émission, ce qui serait pratiquement une prouesse compte tenu du sujet. Alors, le thème que nous abordons aujourd'hui est spiritisme et possession versus miracle. Spiritisme et possession contre miracle. Alors, il est intéressant d'aborder ce genre de sujet, bien que plusieurs internautes m'ont dit c'est un thème qui fait peur, c'est quelque chose qui est inhabituel et c'est un thème qui n'est pas aisé d'aborder. Alors, nous voulons saluer nos intervenants. Ce soir, ils sont un peu plus nombreux puisque nous accueillons le docteur Patrick Anani Etougué, un habitué, le pasteur Charles Pradel, le pasteur Franck Voltaire, docteur Amégan Emmanuel ou Semenou ou Comlan. Vous allez vous habituer avec tous ces prénoms. Le pasteur Tony Ogouma, notre intervenant qui nous a manqué pendant quelque temps, Denis Biaï, mais qui est présent ce soir, et nous voulons accueillir un nouveau docteur parmi nous, c'est le docteur Zachary Kassoulé qui nous rejoint ce soir. Alors, docteur Zachary Kassoulé est quelqu'un qui est très spécial puisque c'est un spécialiste de l'islam aussi. Et il a une grande expertise de l'arabe et de la lecture du Coran, qu'il récite presque par cœur. Donc, je veux lui souhaiter la bienvenue parmi nous et qu'il soit heureux de participer à cette émission. Alors, le thème est intéressant. D'ailleurs, le docteur Patrick Etougué a écrit deux livres, dont l'un est intitulé « Que dit la Bible sur la possession démoniaque et la prière pour les malades ?» Ça, c'est un premier thème. Il en a un autre. « Le chrétien ne peut pas être possédé. » Ça aussi, c'est quelque chose que nous allons considérer ce soir. Est-ce que le chrétien peut être possédé? Est-ce qu'il peut participer à ses activités spirites volontairement ou involontairement? Le chrétien ne peut pas être possédé. Alors, nous allons commencer par poser la question à Dr Anani Etougué. Pour quelles raisons a-t-il écrit ces livres? Est-ce qu'il y a urgence? Est-ce que c'est un thème qui est vraiment important? Qu'est-ce qui l'a conduit à écrire ces deux livres? OK, merci, pasteur. Voyez-vous, lorsque l'Église a instauré la 28e doctrine sur la victoire de Christ sur les mauvais esprits, il y a eu une résurgence au sein de l'Église adventiste d'un renouveau de ce qu'on appelle les ministères de délivrance. Et les ministères de délivrance ont commencé à prôner partout. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui a changé dans l'Église adventiste? Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on attendait juste cette 28e doctrine pour pouvoir chasser les démons? Et au pire de cela, ça a commencé à avoir des membres d'Église, nos membres d'Église qui sont possédés le sabbat, après l'autre mois, ils sont encore possédés. Et c'était devenu quelque chose d'assez épatant. Donc, je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'est une lecture de la 28e doctrine. Lorsque j'ai analysé la doctrine ne dit pas qu'il faut chasser les démons ni avoir le ministère de délivrance, mais la doctrine nous réaffirme la victoire de Christ, nous donne l'opportunité de vivre une vie paisible sans avoir la peur des mauvais esprits. Alors, est-ce que ça veut dire, docteur, que c'est un problème récurrent à l'Église adventiste ou est-ce que c'est une situation que l'on peut retrouver dans d'autres églises? Et est-ce que ces deux livres portent sur
une analyse faite à travers les différentes communautés, des différentes Non, je veux dire, pasteur, les deux livres analysent le phénomène à partir de la Bible, mais pour répondre aux besoins au sein de l'Église adventiste. Parce que la question que je me posais, c'est que, d'abord, qu'est-ce que les démons, la démonologie, Satan, leur origine? Donc, j'ai répondu à ça au premier livre. Le deuxième livre, c'était une réponse à une nouvelle résurgence, comme je disais, des personnes qui veulent voir des membres de l'Église adventiste possédés partout, là, ils sont des délivreurs et tout ça. Donc, je me suis dit, mais tiens, alors ça, là, j'ai répondu à ce problème en disant, le chrétien ne peut pas être possédé. Alors, C'était donc un. ceci nous met de l'eau à la bouche et nous serons donc certainement rassasiés ce soir. Alors, j'aimerais quand même poser la question à Pasteur Voltaire et tout à l'heure à Docteur Amégan. Pasteur Voltaire, ces phénomènes dont parle et Docteur Etougué, sont-ils des phénomènes qui sont communs, dont on entend parler dans la communauté, dans les communautés? Alors bonsoir à tous, merci Pasteur Roger pour cette question. Le phénomène de la possession démoniaque est, à mon sens, présent dans le folklore de l'Église depuis un certain temps, mais je mets tout cela avec des guillemets. Je vais m'expliquer dans un instant. Docteur Etougué, vous avez fait mention dans votre introduction d'un fait, celui de la résurgence de ce phénomène suite au vote pris par la conférence générale liée à cette 28e croyance. Moi, j'aurais plutôt dit que ce serait l'inverse. Ce serait c'est ce phénomène qui a conduit la conférence générale à arrêter un texte pour bien définir sa position sur cette question et donc permettre aux uns et aux autres, si tel est le cas, de développer un ministère qui soit en phase avec la théologie de l'Église là-dessus et les croyances bibliques. Donc vous allez pouvoir répondre à la question tout à l'heure. Maintenant, je suis dans l'Église adventiste depuis, je vais peut-être le dire de cette façon, une cinquantaine d'années. Et on a toujours entendu ça et là dire que celui-ci, celui-là était possédé, mais sans pouvoir affirmer vraiment qu'il s'agissait de possession parce que les expériences de délivrance se faisaient sous le boisseau. Tantôt, il ne fallait pas que ce soit sur au grand jour. Donc, la vérité sur tout cela, on ne la connaît pas réellement. En tant que pasteur, personnellement, j'ai eu à confronter cette problématique, mais je dois vous dire que j'ai eu recours à un psychiatre afin de me permettre d'avoir une vision plus claire de la situation. Et il s'est avoué que la plupart des personnes que j'ai rencontrées faisant liées à cette question de possession démoniaque étaient des personnes qui avaient des difficultés de santé, des carences vitaminiques et bien d'autres choses. Et il a fallu un traitement, un simple traitement médical pour que le problème soit résolu. Donc, oui, nous avons aux Antilles des phénomènes que nous pourrions dire dans notre folklore être des phénomènes de possession démoniaque. Maintenant, aller jusqu'à certifier qu'il s'agit de cela, il faut aller au cas par cas, il faut traiter la chose avec prudence. Oui, alors j'ai lu un livre écrit par un prêtre justement sur les phénomènes extrasensoriels aux Antilles. Et bon, pour avoir grandi aux Antilles, je suis au clair avec quelque chose. Il fut une époque où on entendait parler de toutes sortes de situations, la main noire, les saucougnans et des choses de ce genre. Et même
Dans ce livre, j'ai découvert quelque chose, c'est qu'on entendait par exemple des gens qui disaient avoir entendu sur le toit de leur maison des bruits, des choses particulières qui se passent. Et ce prêtre disait que dans ses recherches, il avait découvert que certains voisins, pour effrayer d'autres voisins avec lesquels ils ne s'entendaient pas trop, jetaient des glaçons sur les toits. Ce qui faisait beaucoup de bruit, et en fondant les glaçons, bon, ben, ils disparaissaient et Paraissait. les gens ne voyaient donc aucune manifestation particulière. Alors, bon, maintenant, nous allons revenir sur ces phénomènes, mais docteur Amégan, qu'est-ce que le spiritisme? Puisque notre thème, c'est spiritisme, possession contre miracle. Et nous allons revenir sur les différentes définitions avant d'avancer vers les phénomènes ou vers les cas. Docteur Amégan. Je disais donc que le spiritisme est une vieille affaire. Il est aussi vieux que le monde. Lorsque, dans le jardin d'Éden, Satan a insinué à Ève si c'est vrai que Dieu leur avait dit que le jour où ils mangeraient le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils mourraient, et que Ève lui a répondu, oui, c'est ce que Dieu a dit. Satan lui a dit, vous ne mourrez point. Donc, c'est la naissance du spiritisme, c'est le départ du spiritisme. C'est la croyance à la survie de l'âme, je mets ça entre guillemets, après que une personne décède. Donc, communiquer lorsque les vivants se mettent en relation avec ces soi-disant esprits des morts, ils sont en train de pratiquer le spiritisme. Alors, est-ce que ça veut dire que l'esprit des morts n'existe pas ou les esprits d'une manière générale n'existent pas? Oui, la réalité, c'est que ce n'est pas l'esprit du mort qui apparaît ou qui parle. On pourra citer l'exemple biblique de Saül qui va invoquer auprès d'une sorcière, entre guillemets encore, l'esprit de Samuel, de Samuel. Mais en réalité, lorsque on analyse le texte, on se rend compte que ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas l'esprit de Samuel, juste un indice. Le texte dit que Saül a consulté Dieu et Dieu a refusé de lui parler. Alors, Dieu lui parlait justement par le prophète Samuel. Donc, on ne voit pas bien comment ce Dieu qui a refusé de lui parler par Samuel lorsqu'il était encore vivant, va aller lui parler maintenant lorsque Samuel décède. Oui, alors je vais tout de suite poser la question à Denis. Denis, est-ce que les phénomènes spirites, de possession ou même les miracles sont rapportés dans le Coran ou est-ce qu'on peut trouver des traces de ces phénomènes-là dans le Coran? Oui, le Coran parle de l'existence de mauvais esprits, puisque le Coran affirme que dans la sourate 51, le verset 56, que Dieu a créé des djinns. Les djinns, ce sont des esprits qui habitaient sur la terre avant l'existence de l'être humain. Et là, maintenant, comment on appelle ça? L'existence des êtres humains et les djinns, ils n'habitent pas ensemble, en quelque sorte. Mais ils peuvent posséder l'être humain. Par exemple, il y a des djinns qui sont comment on appelle ça, de sexe masculin et d'autres de sexe féminin. Et les djinns, hommes comme femmes, peuvent tomber amoureux d'un être humain et pouvoir posséder cette personne. Alors, merci Denis. Pasteur Pradel, qu'est-ce que l'on peut dire de la possession? C'est quoi la possession? Et la possession, c'est le fait d'être sous l'influence on va dire esprit, mais on va plutôt dire des démons, parce que les anges qui ont été déchus, chassés au ciel, eh bien, la Bible les appelle les démons,
Et ces démons-là, donc, sont des esprits qui parcourent la terre, comme il est dit, et donc peuvent aussi influencer eh bien, les individus. Tout à l'heure, la question était posée, est-ce qu'aux Antilles, alors j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs délivrances. Maintenant, effectivement, il faut faire la différence, comme Pasteur Voltaire disait, à possession et aussi personnes qui ont des carences. Et ça se ressemble, en fait, mais ce n'est pas la même chose. D'accord. Si je comprends bien, maintenant que nous avons admis l'existence de ces phénomènes, il faudrait maintenant que nous essayions de voir, de manière progressive d'ailleurs, en quoi le spiritisme serait considéré comme quelque chose ayant une certaine réalité. Alors, je me tourne vers Dr Etougué à nouveau. Docteur, dites-nous, le spiritisme, c'est quoi vraiment? Le spiritisme, c'est cette science occulte, n'est-ce pas, qui fonde sur la manifestation et le contact avec les mauvais esprits. Donc, c'est toute technique qui permet de rentrer en contact avec l'esprit d'un défunt. Ce que la révélation nous appelle, que nous comprenons étant simplement des démons, mais que d'autres personnes appellent vraiment l'esprit des morts. Mais ce que je voudrais préciser, pasteur, c'est ceci, c'est que le mot démonisomai dans le grec est un moyen, pas un passif. Personne ne peut être possédé sans sa participation. C'est ça que ça veut dire. Toutes les possessions se font toujours par un accord. Même si quelqu'un n'est pas chrétien, Satan ne peut pas le posséder comme ça. Parce que par création, tout être humain appartient à Dieu. Il faut donc que la personne donne son assentiment dans une forme de pacte afin de pouvoir travailler avec les mauvais esprits. Voilà la réalité que beaucoup de gens ignorent. Donc, on n'est pas possédé passivement, on est possédé activement. C'est pour cela que dans la Bible, le mot démonisomai signifie donc quelqu'un qui participe dans l'élaboration de la possession. Et de deux, avant le Nouveau Testament, j'ai fait dans mon livre une petite recherche là, démon n'était pas négatif dans l'ancien temps. D'ailleurs, les grands hommes comme les Platon, on disait qu'il avait un démon. C'est-à-dire que quand on dit dans le grec ancien génial, intelligent, on voulait dire démonos. C'est-à-dire quelqu'un qui fonctionne avec les démons pour qu'il soit intelligent. Maintenant, c'est le Nouveau Testament qui a amené cette nature négative de mauvais esprits. Donc, voilà la petite précision que j'ai voulu faire pour bien agrémenter le débat dans le bon sens. Merci. Alors, si je comprends bien, le spiritisme serait une invention, en quelque part, de certaines personnes qui prétendent pouvoir manipuler les esprits, les relations avec les esprits. Mais il n'empêche que, avant que nous parlions de possession, il faut quand même que nous essayions de voir quelle différence il y a entre spiritisme et occultisme. Est-ce que Pasteur Tony Ogouma pourrait nous dire ce qu'il en pense? Okay. Bonsoir à tout le monde et merci de me donner la parole. Déjà, bon, je pense que tout au long de la présentation, nous allons revenir sur le sujet de possession, mais je pense que le pasteur, le professeur Anani a déjà enlevé une brèche. La différence qu'il y a entre le spiritisme et l'occultisme. Le point commun que l'on pourrait trouver entre ces deux termes, c'est la capacité, n'est-ce pas, de communiquer avec les démons. Pour ceux qui parlent du spiritisme, c'est plus, il est ici plus question de communiquer avec les esprits de mort, les personnes décédées. Et c'est une réalité pour eux, c'est visible. Ils communiquent réellement avec des esprits, ce n'est pas une invention. Ils parlent, mais évidemment, dans leur contexte, ils diront qu'ils parlent avec des personnes décédées. Mais pour nous qui avons été éclairés par la parole de Dieu, nous savons clairement qu'il ne s'agit pas des personnes décédées, mais qu'il s'agit des démons. Donc, ils ont des conversations avec des démons, ils vont chercher des puissances auprès de ces démons. L'occultisme, en général, c'est la pratique qui consiste, ou les pratiques qui consistent, n'est-ce pas, à communiquer avec le diable en vue, n'est-ce pas, de recevoir un pouvoir particulier auprès de lui et être capable de mettre ce pouvoir particulier en pratique de manière existentielle au niveau de notre monde. Donc, si je comprends bien,
si je comprends bien, occultisme, toutes ces manipulations ont à voir avec sorcellerie. Est-ce que c'est bien ce que vous voulez dire? Oui, c'est la même. Oui, c'est ça que je veux exactement dire. Mais la seule différence que je fais entre le spiritisme et l'occultisme, c'est que le spiritisme est déjà défini en ce sens qu'il a pour objectif de communiquer avec les esprits de personnes décédées, ce qui n'est pas le cas de l'occultisme. L'occultisme, c'est un peu le fait de chercher à entrer en contact, pas avec des esprits de mort, ce qui serait le spiritisme, mais avec des puissances surnaturelles, des puissances surnaturelles que nous qualifierons bien entendu d'esprits de démons. L'occultisme, c'est rêver pour communiquer avec les esprits de mort, qui sont en réalité des démons, et l'occultisme, c'est pour communiquer avec des démons et des puissances surnaturelles. Alors, nous avons la chance d'avoir sur le plateau des Africains, et je pense que c'est l'occasion de poser la question, mais comment interpréter le fait qu'en Afrique, on parle souvent de relations avec l'esprit des ancêtres? Oh, mais c'est simple, pasteur. Dans le dire populaire de plusieurs pays africains, de l'Afrique centrale, chez les Bantous, les morts ne sont pas morts. C'est pour cela que chez les femmes, vous pouvez garder le crâne du père avec lequel vous pouvez communiquer quand vous avez besoin de puissance, et ainsi de suite. Et je sais qu'aussi au Bénin, au Togo, il y a des choses similaires. Donc, le défunt est toujours là, il nous accompagne, il bénit la famille. Quand il n'y a pas la révélation au nom de Dieu, c'est des choses que l'on pratique dans nos cultures sans que ça ne crée aucun problème à des culturalistes africains. Mais c'est la révélation qui est venue nous aider à vraiment comprendre le danger de ces choses, comme dit le pasteur. Mais alors, dans la culture vaudou, par exemple, chaque famille jouit de la protection d'un esprit ou de plusieurs esprits qui lui-même est en opposition à d'autres esprits, si bien qu'on a l'impression que ces esprits ont deux fonctions, une fonction bienfaitrice et en même temps une fonction maléfique par rapport au fait que en protégeant une famille, il doit faire du tort à la famille opposée. Alors, cela est difficile à débrouiller dans la mesure où le regard que l'on peut avoir sur certaines pratiques est peut-être positif et d'un autre point de vue, négatif. Alors, tout en sachant que le vaudou, il n'est pas haïtien, le vaudou. Le vaudou vient surtout du Bénin, qui est en fait le berceau du vaudouisme, à Ouida en particulier. Alors, maintenant, tout ce que nous disons a quand même une opposition, puisque nous voyons des prédicateurs dans certaines communautés invités comme un spectacle, hein, comme à une grande manifestation, inviter des gens à des séances de délivrance et où on les voit pousser des cris, souffler sur les gens, les pousser à partir du front, leur intimer de faire certaines choses. On voit ces gens tomber à la renverse, trembler, baver, crier et ensuite se relever, sourire et finalement l'assemblée applaudit parce qu'on a assisté à une délivrance. Alors, quelle réalité peut-on donner à ce genre de manifestation? Peut-on commander ainsi les esprits en invitant des gens à assister? Et je poserai en même temps la question, dans l'attitude de celui qui est délivré, est-ce que tomber à la renverse et tout cela, ça correspond réellement à un miracle? Oui, pasteur Roger. Je répondrai à la question, mais j'aimerais revenir un peu sur la définition de la possession. Les uns et les autres ont donné ce que nous pourrons appeler la définition de la possession. J'aimerais ajouter juste cet aspect biblique, un exemple biblique. Dans Jean chapitre 13, le verset 27, c'est l'histoire de Judas. C'est l'histoire de Judas. Le texte dit que dès que Judas a eu pris le pain trempé,
le diable entra en lui. Et c'est cela la possession. Lorsque le diable entre dans le corps d'un homme, parce que, comme Dr. Touguet le disait, initialement, Dieu nous a créés et nous sommes son temple. Mais lorsque le temple est vide, lorsque nous en avons chassé Dieu et que le temple est vide, Satan l'occupe. Dès Jésus l'a dit quelque part dans les évangiles, lorsque le mauvais esprit sort d'un homme, il va errer dans les lieux arides. Et puis après, il dit, je vais retourner pour voir si la place m'est gardée. Et quand il revient et que la place est toujours vide, il invite d'autres esprits encore plus forts que lui pour occuper la place. Donc, c'est très important. La remarque de Dr. Touguet qui parle de notre participation, de la participation de l'homme dans le processus de la possession, elle est active, comme il le disait. Judas a permis que le diable entre en lui malgré tous les efforts de Jésus pour le ramener à lui. Maintenant, pour revenir à votre question, lorsque nous lisons la Bible, il y a un seul endroit où nous trouvons le mot exorciste. C'est dans Actes chapitre 19, les fils de Séva, qui sont des exorcistes ambulants. Et selon ce que mes recherches m'ont donné, le mot exorciste en grec fait allusion à des gens qui utilisent des formules de conjuration, des formules magiques. Et des fois, c'est des répétitions de mots ou de phrases pour, disent-ils, expulser les démons d'un homme ou d'une femme. Et je disais donc que lorsque nous parcourons la Bible, nous ne voyons nulle part, à part ce texte où ce n'étaient pas des chrétiens, c'est des juifs, mais qui se sont adonnés au spiritisme. À part ce texte-là, nulle part nous ne voyons dans la Bible un ministère d'expulsion des démons. C'est toujours, que ce soit dans le cas des 12 ou dans le cas des 70 que Jésus envoya en mission, c'est toujours dans le contexte de la prédication de l'Évangile. Oui, alors cela voudrait dire que, et on pourrait poser la question, puisque si l'exorcisme, c'est réciter des formules magiques pour chasser des esprits ou des démons ou extirper des démons de certaines personnes, est-ce qu'un pasteur, je ne parle pas d'un pasteur adventiste, mais un pasteur d'une manière générale, devrait se livrer de manière permanente à ce genre d'exercice, sachant que les formules que l'on prononce sont en même temps des formules maléfiques? Est-ce qu'un pasteur peut s'inscrire dans un ministère de délivrance et pratiquer l'exorcisme sans qu'il ait une relation avec ces formules maléfiques? Pasteur, je vais laisser la parole aux autres, mais je l'avais déjà dit. Dans la Bible, il n'y a pas de ministère de délivrance. Il n'y a pas de ministère de délivrance. Il n'y a pas des gens que Dieu aurait appointé à ce soi-disant ministère. C'est toujours dans le contexte de l'accomplissement du mandat évangélique. Comme l'apôtre Paul, par exemple, dans Actes chapitre 16, Luc nous rapporte qu'il y avait une jeune femme qui était au service de certaines personnes et cela leur procurait de l'argent et elle criait derrière Paul. D'ailleurs, on dirait qu'elle fait une louange de Paul
ces hommes sont des hommes de Dieu qui vous ont été envoyés par Dieu et tout ça. Mais c'était un mauvais esprit qui l'animait. Et dans ce contexte-là, Paul a délivré cette femme-là. Mais alors, elle avait un esprit de python et on sait bien quel rôle les pitons jouent dans la culture vaudou. À Ouida, par exemple, il y a un temple dédié aux pitons et ces serpents sont vénérés comme des dieux, ont la possibilité, d'ailleurs, on leur ouvre la porte le soir pour qu'ils sortent et qu'ils parcourent les rues de la ville, personne ne les tue, et ensuite ils reviennent au temple où ils sont gardés pieusement. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de visiter cette région. Alors, Pasteur Roger, oui, alors en rapport avec la question, je voulais dire, bon, tout à l'heure j'ai dit, bon, j'ai dû participer déjà à des délivrances, effectivement. Pour répondre à ta question de manière directe, je ne pense pas qu'il y ait un ministère de la délivrance. Cependant, on peut se trouver à des situations où il faudrait intervenir. Maintenant, intervenir comment? Je crois que les exemples que nous avons dans la parole de Dieu, eh bien, nous montrent que c'est par effectivement la parole de Dieu elle-même et au nom de Jésus qu'on peut effectivement inviter les mauvais esprits à s'éloigner, comme Jésus lui-même l'a fait, comme Paul l'a fait, qui a été mentionné tout à l'heure. Et dans la Bible, on trouve plusieurs termes, en fait trois termes qui sont mentionnés. Le terme démon est mentionné dans Matthieu 8, 31, mais le terme aussi esprit impur dans Marc 1er, 23 et esprit mauvais dans Luc 11, 24. Et le mot grec qui est utilisé, en fait, pour parler de cette influence du mauvais esprit qu'on dit démon ou esprit impur, c'est daimonizo. Et ça parle, en fait, de l'influence qui est exercée sur un être humain par un esprit mauvais ou un démon, comme je l'ai dit il y a un instant. Donc, il y a effectivement des possessions, il y a des influences sur certaines personnes. Docteur Otugate disait tout à l'heure, certainement, ces personnes quand même ont une part dans cette affaire. Bon, pour avoir participé et eu contact avec certaines personnes qui, à mon avis, étaient vraiment possédées parce que leur voix a changé, donc il y avait d'autres choses qui se manifestaient à ce moment-là. Et effectivement, ça peut être la personne, je dirais, ou ça peut être le parent de la personne qui aurait fait une séance. Bon, selon l'expérience que j'ai, ma petite expérience dans ce domaine, comme je l'ai dit, il n'y a pas un ministère de la délivrance, mais ça peut arriver comme Paul, comme Pierre et comme Jésus l'a fait. Et pour exemple, la dernière situation que j'ai vécue, c'est une personne effectivement où les voix qui parlaient disaient « elle m'appartient ». Et après la délivrance, j'ai posé la question à cette personne « mais pourquoi ?» les démons disaient que vous leur appartenez. Mm-hmm. Et donc, du coup, cette personne n'a pas voulu réagir tout de suite. Et par la suite, elle a dit, effectivement, mon père était effectivement, consultait les esprits et il lui avait remis ses livres et en faisant donc une séance pour qu'elle fasse la passation, en fait. Mais elle a refusé, elle a lu, et c'est là que je rejoins Dr. Itugé, elle m'a dit qu'elle a lu tous les livres, cependant, elle ne les a pas pratiqués. Nous allons revenir sur les cas pratiques tout à l'heure. Pasteur Voltaire voulait intervenir. Oui, simplement pour apporter un élément de réponse à la question posée, le lien entre les pasteurs
actuelles et les séances de délivrance ou d'interaction avec les esprits, je voulais faire remarquer que j'ai observé dans certaines églises dites charismatiques, portées sur les affaires de l'esprit, un lien très étroit entre l'argent et ces phénomènes. Alors, et il y a une forme de prospérité, de mercantilisme installé dans ces groupes religieux qui, à tour de bras, procèdent à des formes de délivrance ou dans ces groupes, on observe des manifestations assez bizarres, hein, d'accord, qui ne peuvent être expliquées scientifiquement. Et au sortir de ces rencontres dites religieuses, on a un gain financier assez conséquent. Bon, en tout cas, c'est une observation que j'ai pu faire. Est-ce que des pasteurs devraient être associés à cette forme d'exercice? Personnellement, je ne le crois pas. J'aimerais, pour poursuivre, simplement, si tu permets, Pasteur Roger, adresser une question à Dr Etougué par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait parler de gradation dans la possession démoniaque? Lorsque, par exemple, Jésus s'adresse à Pierre et lui dit « Arrière de moi, Satan », peut-on parler dans ce cas d'une forme de possession ou encore de suggestion? Qu'est-ce qu'il veut dire réellement là? Était-ce une possession momentanée ou était simplement, il était simplement devenu contre son propre gré le porte-parole du diable, voulant faire échouer le ministère de Christ? Peut-on à ce moment-là parler ou pas de possession? Ok, c'est une très, excuse-moi, c'est une très bonne question. Le verset que tu mentionnes, c'est Matthieu 16, 23, dans lequel Jésus dit donc « Arrière de moi, Satan ». Mais il précise où se trouve l'influence satanique. Il précise que ces pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, ici, Pierre a été touché dans sa théologie. Rappelle-toi, Jésus devrait aller mourir à la croix pour sauver l'humanité. Et Pierre voulait prévenir ça. Et Jésus, quand il voit, il comprend ce que Pierre ne comprend pas, que s'il ne meurt pas, lui-même n'a pas de salut. Donc, c'était très grave. Mais Jésus n'a pas, comme Judas, rappelle-toi quand Judas, Satan est rentré en lui, il était à côté de Jésus, Jésus n'a pas fait d'exorcisme. Ils ont mangé ensemble. Dès qu'il a mis l'idée, Jean chapitre 13, verset 2 dit, lorsque Judas avait mis dans son cœur de trahir Jésus, et au verset 27, Satan entra en lui. Ils étaient à côté. Jésus n'a pas fait l'exorcisme sur Judas. Il était possédé et il est allé, il est mort comme ça. Mais pour Pierre, là, le texte nous dirige vers les pensées. C'est les pensées de Pierre qui étaient en contradiction avec le plan du salut dont Jésus a dit. Il n'y avait pas de possession. Donc, ce que je peux dire, à mon humble avis, pasteur Voltaire, c'est-à-dire qu'il y a une différence nette entre la possession démoniaque et l'oppression ou l'influence démoniaque. Les démons peuvent nous influencer dans notre théologie, dans nos pensées, nous tromper dans nos prises de position. Dans un comité, ils peuvent venir et tromper les gens. Mais la possession, donc, est intérieure et l'oppression ou l'influence démoniaque est extérieure. Donc, c'est comme ça que je peux essayer de donner mon humble contribution. Okay. Pasteur Ogouma. Oui, merci beaucoup, pasteur Guy Roger. Je vais aborder le même sens que professeur Anani, effectivement. On a tendance à penser que lorsque la pensée est influencée, il y a nécessairement possession. La possession, personnellement, j'ai aussi fait une recherche sur le sujet. Je crois que j'en ai déjà partagé mes points de vue avec le docteur Anani. La possession, elle est interne. Ce que l'on oublie souvent, c'est que le chrétien peut être oppressé, il peut être harcelé. Nous avons des exemples bibliques. Nous avons l'exemple de Job. Job était harcelé. Cependant, était-il possédé? Non, il n'était pas possédé. Et on a même le cas de Paul lui-même. Rappelez-vous, Paul va dire plus tard que le problème qu'il avait, n'est-ce pas, lui a été causé, n'est-ce pas, par un esprit. Est-ce que là, on peut dire que Paul était possédé? Évidemment, non, il n'était pas possédé. Il était harcelé.
Donc, le plus souvent, c'est que quand on parle d'harcèlement, quand on parle de possession, d'harcèlement et d'oppression, on a tendance directement à penser à la possession. La possession, bibliquement parlant, c'est que le démon habite en vous. Et dans la Bible, nous avons plusieurs cas comme cela. Juste pour continuer, j'aimerais attirer notre attention dans le texte de Marc, chapitre 16. Marc, chapitre 16, à partir du verset 15. Quand vous avez le verset 15, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru. » Qui auront cru à quoi? Qui auront cru à ce qui est dit au verset 15, c'est-à-dire « Allez ». La Bible dit, « En mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. » Je voudrais m'arrêter ici à chasser les démons. En d'autres termes, Dieu donne la capacité de chasser les démons au nom de Jésus à tous ceux qui sont dans le champ missionnaire. L'activité démoniaque, vous allez voir dans le ministère de Jésus, la rencontre avec Jésus, avec les esprits impurs, se fait souvent dans l'exercice de sa mission. Rarement. La seule illustration qu'on peut trouver, c'est la fois où Jésus était, n'est-ce pas, dans le temple, et puis il y avait ce personnage qui est venu, dont les démons se sont manifestés. Mais c'est la seule instance. Le reste des manifestations démoniaques, c'est Jésus en pleine mission qui raconte des esprits impurs et qui délivre les personnes possédées. Et là, dans le cas de Marc, chapitre 16, nous voyons clairement que la possibilité, la grâce de chasser les démons n'est pas la propriété de quelqu'un. Ce n'est pas la propriété du pasteur. Dieu donne cet ordre, cette capacité à tous ceux qui sont actifs dans le champ missionnaire. En d'autres termes, c'est dans le champ missionnaire que je fais les rencontres avec les esprits impurs et que je prie au nom de Jésus et qu'ils sortent. Ce n'est pas que je me mette au temple et je me appelle. Quels sont ceux qui sont possédés? Venez du haut de la chair, je vais prier pour vous délivrer. On n'a pas d'instance comme ça dans l'Ancien Testament, encore moins dans les écrits de Paul. Nous n'avons pas ces instances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se met dans ce genre de figure, on est en désaccord avec, n'est-ce pas, les principes bibliques. Dès lors, on n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu. Alors, il y a beaucoup de situations aujourd'hui que l'on voit poindre dans les communautés religieuses, y compris dans l'Église adventiste, où certaines personnes pensent avoir reçu un don spirituel, celui de délivrer. Et ils délivrent à tout va, au point que lorsqu'il leur manque peut-être de personnes à délivrer, ils commencent à les chercher parmi celles qui ne sont pas possédées. Alors, souvent, nous entendons des gens dire, ouais, il y a le démon du chocolat, le démon de la télévision, le démon du football, etc. Et il faut chasser tous les démons. Et il y a des gens qui connaissent les démons par leur nom. Et souvent, je me suis dit, mais si on connaît un démon par son nom, c'est qu'on le fréquente. Et si on le fréquente, forcément, on doit être soi-même possédé. Alors, il y a aujourd'hui des gens qui pensent, et des pasteurs, qui pensent qu'ils ont un don qui consiste à chasser les démons, à les poursuivre, à faire une enquête sur eux, à les convoquer, et quelquefois même à les emprisonner. Alors, j'aimerais poser la question à Dr Etougué. Peut-on emprisonner un esprit? C'est lorsque quelqu'un est possédé par un esprit ou un ange déçu, il a la supériorité sur la force humaine. Les diacres que nous élisons là et que nous faisons ne peuvent pas, n'ont pas volonté d'arrêter un démon. Le démon peut, dans le cadre de Seva que Dr Megan a pris, mais il a battu les sept fils de Séba. Il était seul. Donc, c'est moi, je suis toujours confus de voir quelqu'un, on dit les diacres vont arrêter le démon, et tu vas dire non, ça c'est le démon est sur le plan cosmique. Il est supérieur à l'humain par leur constitution, dans la hiérarchie des créatures divines. Ils ont prévariqué et ils ont, quand quelqu'un est possédé au-delà de la voix, comme a dit le pasteur, il y a aussi la force extraordinaire. Ils ont une force extra-humaine. Donc, Jésus-Christ a chassé les démons par la parole. Et il dit dans Matthieu 12, verset 28, si ce n'est pas le Saint-Esprit que je chasse les démons, le royaume de Dieu n'est pas venu vers vous. On n'arrête pas un démon avec les mains. On l'arrête avec la parole de Dieu qui est guidée par la puissance du Saint-Esprit. C'est tout. Voilà ce que moi je peux dire. Et alors, docteur, si je comprends bien, et je m'adresse à tous les pasteurs qui sont là, lorsqu'un prédicateur convie la foule assistée à
des manifestations de délivrance. Est-ce que nous sommes dans le domaine des fakes ou est-ce que nous sommes dans le domaine d'une réalité qui serait spirite? Non, ça dépend. Il y a des pasteurs qui font du fake, mais il y a d'autres qui travaillent avec des esprits, vraiment des esprits puissants. Il y a d'autres qui font de la manipulation parce que à Libreville, je connais des gens qu'on délivre ce dimanche. Le dimanche prochain, il revient encore. Le dimanche prochain, tu rencontres dans notre église, dans un autre quartier. Ça, c'est des fakes. Mais il y a d'autres qui, vraiment, quand vous rentrez dans ces églises, vous sentez une puissance. Vos cheveux s'irisent. Ils ont de la puissance, mais c'est une puissance démoniaque. Donc, il y a derrière la scène, là, il y a des forces qui marchent, qui travaillent. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas la sécurité lorsque nous sommes dans ces endroits. Notre seule sécurité, c'est dans la parole de Dieu. On reste là. Si la parole a dit ça, on fait. Si elle n'a pas dit, on ne s'y met pas. On nous traite de faibles. J'ai un ancien adventiste qui me dit que l'église adventiste est faible, n'a pas de puissance. Je lui dis, je préfère cette église-là qu'à l'église de modèle que vous voulez nous amener. Je préfère l'église faible parce que l'église, en fait, ne doit pas être forte. C'est Jésus qui est fort. Maintenant, quand vous voulez avoir une église forte, nous, on ne comprend plus quel type d'église vous voulez créer. Oui, alors bien sûr. Tout être vivant qui est confronté à des problèmes et à des difficultés a tendance à rechercher une solution vers le surnaturel. Parce que même prier, c'est se tourner vers le surnaturel. Prier n'est pas se tourner vers le naturel. Le naturel est faible, comme nous venons de le dire. Alors, j'ai eu plusieurs fois l'expérience de personnes au terme de certaines prédications qui me disent, pasteur, vous savez, il y a des choses que vous avez dites qui sont réelles, mais vous ne savez pas exactement de quoi vous avez parlé. Et je l'admets dans la mesure où parler de possession, parler de délivrance sans vraiment être dans le milieu et sans vraiment pratiquer, on peut effectivement avoir un discours, j'allais dire, relatif. Alors, j'ai quand même découvert que, en me posant la question, j'ai pu dans mes recherches, découvrir que certains pasteurs ont une électrode et reliée à une pile. Et lorsqu'ils touchent le front de quelqu'un, cet individu reçoit une décharge électrique qui est assez puissante pour le pousser en arrière, pour qu'il tombe et il devient tout de suite en transe. Et au bout d'un moment, ce phénomène physique, physiologique se calme, il se lève, on applaudit, il est délivré. Bon, ça, je ne sais pas si c'est réel, je ne sais pas si c'est vrai, mais certaines personnes l'affirment. Alors revenons à notre sujet. Oui, pasteur Roger, je voulais juste ajouter à ce qui a été dit. Effectivement, je crois que tous nous sommes au clair là-dessus, on ne va pas chasser les démons. D'accord? Et comme pasteur Oguma a dit, en fait, dans notre ministère que nous accomplissons, eh bien, effectivement, le démon peut se manifester à travers quelqu'un, et à ce moment-là, on a cette mission de pouvoir appeler Dieu et utiliser la parole de Dieu, appeler Jésus, au nom de Jésus, eh bien, permettre à cette personne d'être délivrée. Maintenant, par rapport à ce qui a été dit, je voulais juste lire le texte de Matthieu 7 que nous connaissons bien. Jésus parle de son retour. Au moment de son retour, il dit, plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, versets 22 et 23, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et pour aller vite, verset 23, il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Donc, c'est pour un peu justifier ce que nous disions il y a un instant. Quelquefois, ça peut être fake ou ça peut être tout simplement des pasteurs, on va dire, qui sont en contact direct avec les esprits ou, comme tu l'as précisé, peut-être qui utilisent des stratagèmes pour faire croire à certaines choses. Mais dans la Bible, dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, il n'y a pas de fait où on voit que il y a un ministère de chasser les démons. Ça, c'est apparemment... Oui, mais alors, venons au fait. Bien entendu, nous avons tous compris que c'est une affaire un peu particulière. Mais alors, lorsqu'on voit quelqu'un
se rouler par terre, crier, baver, comme j'ai dit, parce qu'il y en a qui bavent. Hein, mieux, j'ai reçu récemment une vidéo où il y a une certaine église où le pasteur, exercer son ministère de délivrance, c'est une église qui est composée essentiellement de femmes, et l'une des manipulations qu'il fait, c'est de toucher leur sexe pour extirper je ne sais quel démon. Et cela est très bien suivi, puisque les femmes naturelles, tout à fait normales, enlèvent leurs petites culottes et se font tâter par le pasteur en public. Et ensuite, tout le monde applaudit, tout le monde est content, et voilà que la délivrance est faite. Et je pense que plus tard, il y a d'autres situations de délivrance encore plus, j'allais dire, plus pointues, en fait. Mais alors, revenons à notre thème. Nous sommes en train de parler de possession, de spiritisme, mais aussi de miracles. Parce que les miracles sont une réalité. Alors, qu'est-ce qu'un miracle? Si je peux définir ça terre à terre comme étant la réalisation d'une manière inattendue d'un fait surnaturel. Voilà. La réalisation d'une manière inattendue d'un fait surnaturel. Voilà la petite définition que je peux donner de manière terre à terre. Donc, quelque chose se passe, on ne s'entend pas à ce que cette chose se passe. Et on sait que l'activité qui vient d'avoir lieu est l'œuvre, ne peut pas être l'œuvre du réel. Il n'y a que le surnaturel qui aurait pu permettre à cette chose d'arriver. Quelqu'un est malade, par exemple, exemple terre à terre, quelqu'un est malade, une maladie est inguérissable, et puis on prie pour la personne est guérie, c'est un miracle. C'est au-delà du naturel. C'est naturellement impossible, mais c'est arrivé. Voici ce que je peux donner comme définition. Alors, si je comprends bien, un miracle serait quelque chose d'inattendu. Alors, est-ce que ça veut dire que quelqu'un ne peut pas réclamer un miracle? Le miracle, a dit, est quelque chose qui doit être attribué à une intervention surnaturelle. Mais dans le sens de la Bible, on appelle ça sémillon. C'est un signe, une marque, un témoignage que quelqu'un d'autre travaille pour cette chose surnaturelle. C'est-à-dire qu'en modifiant le cours habituel de la nature. C'est ça le miracle. Donc, Dieu ou l'esprit de Dieu modifie le cours de la nature comme il a pris l'exemple de la maladie. Alors, maintenant, les miracles et les merveilles peuvent authentifier que les hommes sont envoyés par Dieu, mais peuvent également authentifier que Satan travaille derrière la scène. Donc, voilà un peu le drame avec ce problème des miracles-là. On ne sait jamais vraiment quelle sauce on peut se faire manger. Alors, c'est la question qui devait venir. Satan peut-il faire des miracles? Bien sûr. Parce que regarde, les 12 fléaux d'Égypte, tu sais que les mages de Pharaon ont pu reproduire, je crois, 7 ou 8 de tous les 12 fléaux. Il n'y a que celui du sang et celui des grêles qui n'ont pas pu reproduire. Mais la plupart des miracles, des fléaux, là, ils ont reproduit ça. Donc, si on va sur le sens des miracles pour savoir que Dieu est à l'œuvre, ce n'est pas vraiment une assurance positive à tous les coups. Et est-ce que on ne pourrait pas plutôt parler d'illusionnisme plutôt que de miracle? Parce que, en fait, ceux qui ont reproduit les fléaux que Moïse et Aaron déversaient sur l'Égypte, pas de manière naturelle, mais de manière surnaturelle, puisque c'est Dieu qui les avait mandatés pour faire cela. Est-ce que le fait pour les magiciens de reproduire ou donner l'apparence, est-ce que ce n'était pas de l'illusion plutôt? Non, je pense. Peut-être que nous dirons que. Je pense qu'il y a la réalité. Je pense qu'il y a, il y a des faits réels. Moi, d'où je viens, par exemple, il y a des techniques pour faire stopper la pluie. Il pleut, quelqu'un vient, il dit des paroles, il tape sur un bois et la pluie s'arrête. Ce n'est pas une illusion. Vous voyez bien que la pluie s'est arrêtée. J'ai d'autres, chez moi, dans mon village, d'autres endroits, d'autres personnes qui peuvent vous faire pleuvoir. Ce n'est pas l'illusion. Vous sentez, vous voyez la pluie, comment elle tombe, elle vous touche, l'eau. Vous pouvez remplir une calebasse. Il y a des faits réels.
Mais évidemment, la démarcation se fait dans ce que le professeur Anani a tout à l'heure dit. La démarcation se fait dans le sens que derrière, le surnaturel qui est derrière n'est pas de Dieu. C'est Satan, ce sont ces démons qui travaillent. N'oubliez pas que ce sont des êtres surnaturels, donc qui ont la capacité de faire aussi certaines choses surnaturelles. Oui. C'est là où il y a la différence. Est-ce que ça veut dire, je pose la question, est-ce que ça veut dire qu'il y a un moyen de reconnaître lorsque quelque chose de surnaturel se produit, vient de Dieu et vient du diable? Comment peut-on discerner l'origine de ces faits surnaturels? Un des moyens, c'est de voir la gloire que ça a, à qui ça apporte la gloire, pasteur. C'est ça. Un des moyens. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un qui prend du plaisir à faire un miracle, il faut vous méfier. Il y a des gens, par contre, quand ils font une œuvre miraculeuse, comme Paul, il n'est même pas conscient. C'est les gens autour de lui, dans Actes chapitre 19, qui voient en lui un charisme puissant et qui viennent à poser leur mouchoir sur lui en pensant que ces mouchoirs peuvent chasser les mauvais esprits. Paul n'en est pas conscient. Et donc, vous voyez, il n'est pas là. Pierre lui-même, quand il marche dans les rues du marché, là, la petite ville grecque, les gens viennent poser les malades sur son homme en pensant que ça peut donc... Ça, soit ils ne sont pas conscients de ce qu'ils transportent. Mais lorsque vous voyez quelqu'un qui est conscient que c'est lui maintenant qui produit les miracles, je pense qu'il faudrait qu'on s'en méfie. Mais alors, moi, c'est ça. J'ai eu l'occasion de dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Je te le donne. Et marche. Voilà. Et marche. Ouais. Lève-toi, marche. Effectivement, je partage parfaitement cette idée. Hein, il faut voir à qui la gloire revient. Et alors, à partir de là, on peut savoir de qui est derrière, quelle puissance qui est derrière. OK, pasteur Voltaire. Oui, merci, pasteur Rouget. Je voulais faire signaler un élément. Lorsque l'on prend le temps d'observer le ministère de Christ qui, assez régulièrement dans les évangiles, réalise des miracles, tantôt pour guérir, tantôt pour demander aux éléments naturels de se calmer, on constate que dans le cadre, par exemple, des guérisons, Jésus ne guérit jamais pour guérir. Que ces éléments-là apparaissent dans un contexte assez précis. Jésus guérit, par exemple, pour démontrer sa divinité en une occasion. En d'autres occasions, il guérit pour annoncer la finalité de sa mission. Dans un autre contexte, il guérit pour que des portes soient ouvertes à la prédication de l'Évangile. La guérison, en général, est présentée par les évangélistes comme un moyen pour atteindre une fin. Et Jésus ne guérit pas, en général, pour guérir. Je prends l'exemple du paralytique. Il va guérir cet homme, entre autres, hein, je dis bien entre autres, pour démontrer qu'il avait le pouvoir de pardonner. Il va changer l'eau en vin pour annoncer déjà la croix du calvaire, le sang qui allait couler pour le salut des humains. Et il va guérir le démoniaque, le gadarénien, afin que dans cette partie de la Décapole, que l'Évangile soit prêché et qu'il y ait des éléments qui attestent que le message de Christ est la vérité. Un élément qui nous fait remarquer que la guérison arrive dans un contexte particulier. Et pour revenir aux éléments préconisés par Mme Hélène G. White quand elle traite de la question de personnes qui demandent, de personnes malades demandant la guérison, elle prend le temps de souligner que le malade devrait donner la raison pour laquelle il veut être guéri. Est-ce une raison égoïste ou est-ce une raison qui va servir la gloire de Dieu, la proclamation de l'Évangile? Qu'est-ce que le malade va faire de cette guérison qu'il demande de Dieu? Et ça, à mon sens, c'est une question qui mérite réflexion. Alors, Denis devrait pouvoir nous dire si les miracles existent dans le monde islamique et si la chasse aux démons
est quelque chose de réel aussi. Oui, pas trop dans le côté islamique, mais dans le côté traditionnel. Ici, par exemple, au Sénégal, il y a tellement de marabouts qui exercent dans ce domaine. Et aussi, je peux dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arnaquées par ces marabouts. Mais le Coran, en tant que tel, essaye d'aider les gens, les croyants, à ne pas subir, comme on appelle ça, la possession démoniaque. Par exemple, il y a toujours des versets. C'est pourquoi le musulman aime réciter le Coran chez lui. Parce qu'il y a des sourates qui disent, par exemple, il y a la sourate 97-98, qui dit que quand on récite le Coran à la maison, les démons vont s'enfuir. Mais par exemple, ce que je voulais dire ensuite par rapport aux intervenants, il y a des personnes, selon la sourate 72-6, il y a des personnes qui vont aller vers les mauvais djinns pour essayer de chercher à collaborer avec eux pour faire du mal à d'autrui. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, c'est plus traditionnel. Il y a des gens qui vont aller chercher les marabouts et ils vont chercher des portions magiques. Et ils vont soi-disant utiliser le Coran, mais en quelque sorte, ce n'est pas le Coran. Ce sont des portions magiques qu'ils vont utiliser pour faire du mal aux êtres humains. Oui, alors nous avançons vers la fin de notre rencontre et quelque chose me dit que peut-être que ce sujet-là devrait être prolongé pour essayer d'aller un peu plus loin. Alors, la question qui, à mon avis, vient à l'esprit après tout ce que nous avons entendu. La possession est quelque chose qui n'est pas naturel, mais lorsqu'elle se présente, la personne possédée y a mis un peu du sien, a essayé peut-être d'être en contact avec les esprits ou a été mis en contact avec les esprits, selon ce que j'ai entendu, par un parent, par un tiers qui voudrait faire de cette personne. Bon, personnellement, j'ai rencontré des gens qui me disaient, bon, ma tante avait un don, ma grand-mère avait un don, elle a voulu me le transmettre, je n'ai pas accepté, mais j'ai quand même été visité par les démons. J'ai eu ce cas-là plusieurs fois, comme aussi j'ai eu des cas de personnes qui entendent des voix, qui ont des bouffées de chaleur, etc. Bon, le psychiatre qu'elles ont vu a conclu à un début de ménopause. Pour certaines femmes qui, quelquefois, se sentent possédées, mais elles sont possédées par leur propre nature. Il n'y a pas de choses surnaturelles. Un simple traitement médical peut résoudre le problème et elles peuvent retrouver leur paix. Alors, maintenant. Pasteur, je méditais sur le sens que nous donnions au miracle et particulièrement sur l'intervention du pasteur Tony. J'ai un texte ici, c'est dans Jérémie au chapitre 14 et le verset 22. Et c'est Dieu qui pose cette question à son peuple. Parmi les idoles des nations, en est-il qui fasse pleuvoir? Et bon, la question est rhétorique, la réponse c'est non. Dans le psaume 86, le verset 10 aussi, il est dit que Dieu est grand et il opère des miracles, des prodiges. Et le texte ajoute, toi seul, tu es Dieu. Alors, c'est vrai, même dans mon milieu, je connais des gens qui pensent avoir le pouvoir d'arrêter la pluie ou de provoquer la pluie. Mais Il y a cet état de choses aussi. Il y a des sécheresses prolongées et on cherche de l'eau pour les semailles. Et c'est toute une région qui en souffre. Où sont-ils en ce moment-là? Des faiseurs de pluie. Donc, je crois qu'il nous faut relativiser ces miracles qui sont de la part de Satan. Alors, je disais que je voulais poser une question qui nous mènera vers une première conclusion. Est-ce que le fait alors, je vais dire les choses différemment. Est-ce que le fait de produire des actes surnaturels, entre guillemets, des miracles, est-ce un réel signe authentique de la relation avec le Saint-Esprit?
Jésus l'a dit, que même Satan, le chef des rebelles, le chef des démons, se transforme en ange de lumière. Et pourtant, il reste toujours un démon. Donc, le fait de produire des miracles, entre guillemets, n'est pas le signe d'une relation qu'on aurait avec Dieu ou avec son esprit. Alors finalement, docteur, okay. Que dit la Bible? Vous permettez, pasteur? Que dit la Bible sur la possession démoniaque? Oui, pasteur Tony. Pasteur Etougué? Non, pasteur Tony. Pasteur Etougué, une minute d'abord, s'il vous plaît. J'aimerais revenir. Quand vous lisez Matthieu chapitre 7, que je crois que c'est le pasteur, je ne sais pas si c'est, ça doit être le pasteur Pradé qui a lu ce texte, oui. Matthieu 7 à partir du verset 21, « Ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans mon royaume. » Verset 22, « Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Quel est le présupposé de cette question? Le présupposé de cette question, c'est que nous avons prophétisé au nom de Jésus. Ensuite, deuxième question, « N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ?» Le présupposé, c'est que nous avons chassé des démons par ton nom. Et enfin, le troisième, « N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Le présupposé, c'est qu'ils ont fait effectivement des miracles au nom de Jésus. Mais remarquez la réponse de Jésus. Jésus ne dit pas qu'ils n'ont pas prophétisé. Jésus ne dit pas qu'ils n'ont pas chassé des démons. Jésus ne dit pas qu'ils n'ont pas fait des miracles. Jésus va là où se trouve le véritable problème. Je ne vous ai jamais connu. En d'autres termes, vous avez fait des miracles, vous avez chassé des démons, vous avez prophétisé. Mais le problème, c'est que je n'étais pas avec vous. Évidemment, si je n'étais pas avec vous, qui était avec vous? C'est la question maintenant qu'on se pose. Et comme on sait que nous sommes dans un contexte de grand conflit cosmique, il n'y a que deux puissances en présence. Soit c'est les ténèbres, soit c'est la lumière, soit c'est Christ, soit c'est Satan. On conclut tout de suite que si Jésus n'était pas là, alors c'est Satan qui était là et qui a agi, n'est-ce pas, ainsi. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Ok, donc, docteur Etougué, que dit la Bible finalement au sujet de la possession démoniaque? J'ai découvert dans mes recherches, c'est-à-dire que la possession démoniaque commence au niveau des évangiles, mais s'arrête au niveau du livre des Actes des Apôtres. En d'autres termes, vous n'avez dans aucune épître de Paul, épître pastorale, vous avez peut-être dans le, quand il parle d'un Corinthiens 8, les viandes sacrifiées aux idoles. Paul aurait pu avertir les croyants que s'ils vont manger avec les idoles, ils vont être possédés. Il ne l'a pas fait. Dans le grand texte d'Éphésiens chapitre 6, c'est la bataille contre la chair et le sang. Paul donne des directives aux croyants comment se faire protéger. Il ne laisse donc aucune possibilité à un croyant d'avoir cette possession. Alors, la possession, donc, c'est l'activité satanique sur les hommes païens et sur des animaux. Ça, c'est ce que la Bible montre. Satan possède des païens et il possède des animaux. C'est la raison pour laquelle Jésus n'a fait aucun miracle de possession à Jérusalem. Tous les miracles de possession, comme a dit le pasteur Franck tout à l'heure, il a remarqué, peut-être qu'il n'avait pas vu ça, sont passés en Galilée. Galilée signifie en araméen « sept des nations », Galilée Goïm. Donc Jésus-Christ est venu attaquer Satan dans son fief, au point où il a agressé l'un des premiers démons, c'était celui qui était possédé de 6000 démons. C'était là la plus grande victoire de Jésus-Christ quand il est venu sur cette terre. Et il ne nous a pas laissé orphelin, pasteur. Il a dit dans Luc chapitre 10, verset 1, dans Luc chapitre 9, verset 1, dans Matthieu 10, verset 1, il dit « Je vous ai donné force et pouvoir » de marcher sur tous les serpents, sur tous les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut vous nuire. Donc, Jésus ne nous a pas laissé orphelins, apeurés. Il nous a laissé la victoire parce que lui-même, selon Colossiens 2, 15, qui dit, il a dépouillé Satan et toute sa horde. Donc, moi, je pense que c'est très positif et ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a donné la victoire qu'il a acquise à la croix. Et à cause de ça, on ne doit pas vivre dans la peur. On doit vivre une vie de victoire, une vie de joie. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens ont peur de Satan puisqu'ils ont peur de Jésus. Moi, je ne comprends pas ça, Pasteur Pradel. Pour moi, ça ne fait pas sens. On doit craindre Dieu parce que Dieu peut te tuer et il peut tuer ton âme. Satan peut te créer des problèmes, il peut t'harasser, il peut te persécuter, mais il ne peut pas prendre ton âme. C'est ça le problème que je suis en train de comprendre. Ayons crainte de Dieu et affrontons Satan lorsque nous sommes en mission. Voilà un peu ce que moi j'ai vu dans mes ouvrages. Alors, demandons à Laurence, que nous accueillons avec joie chaque fois, ce que pensent les internautes sur YouTube et sur le Zoom. Eh bien, bonsoir à tous. Alors, sur le Zoom, nous regardions effectivement tout à l'heure quelques réactions.
Nous avons quelques félicitations, évidemment, pour le sujet, puisque c'est un sujet d'actualité. On remercie le pasteur, notamment Itougué, et tous les, juste tout pasteur Tony également, et Anani, pour avoir justement fait remarquer que dans Marc 16, versets 16 et 17, Jésus donc aurait dit à ceux qui ont cru qu'il chasserait les démons, mais pourquoi ne peut-on pas avoir un ministère pour aider dans ce sens? C'était une des remarques. Ensuite, nous avons eu aussi quelques réactions. Un chrétien peut-il être possédé? Je suppose que vous avez aussi peut-être répondu à cette question, parce qu'il y a effectivement des frères qui sont chrétiens, mais qui agissent parfois comme des personnes possédées. Une dernière réflexion, celui qui agit au nom de Christ doit refléter la vie de Christ. Alors, pourquoi parler de possession quand on parle, quand un chrétien et à une vie normale en Christ. Donc, voilà quelques informations sur le chat de Zoom. Par contre, sur le chat en live, juste une petite intervention. Est-ce qu'un fait extraordinaire doit être attribué à une intervention surnaturelle? C'était Dr Itougué qui faisait remarquer à tout le monde qu'un fait extraordinaire, est-ce que c'est une intervention surnaturelle? Est-ce qu'on doit tout de suite la rattacher à quelque chose qui serait de l'ordre de l'incompréhensible? Et bien sûr, si Dr Itougué peut rappeler rapidement l'ensemble de ses ouvrages ou nous faire peut-être une petite liste bibliographique de façon à ce qu'on puisse avoir ses titres. Okay. Voilà. Ok, merci. Je voudrais... merci beaucoup, Laurence. Je voudrais faire remarquer que quand nous, selon Éphésiens 1, 13, lorsqu'un quelqu'un devient chrétien, Jésus le met en Christ et on le scelle du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Et dans les, ceux qui connaissent un peu l'histoire des tampons gréco-romains, c'est le sceau qu'on mettait, qu'on a posé sur une lettre à laquelle on était sûr qu'elle arrivait à bon port sans jamais avoir été ouverte. En d'autres termes, quand j'accepte Jésus-Christ, Jésus me promet qu'il m'a scellé pour le jour de la rédemption. Donc, pour être chrétien, c'est cette garantie que nous avons. Dans Jean chapitre 10, Jésus dit que personne ne les ravira de ma main. Et le Père qui est plus grand que moi, et aussi personne ne les ravira de sa main. C'est des promesses que Dieu nous donne. Donc, si un chrétien que nous voyons qui est scellé du Saint-Esprit devient maintenant possédé du diable, cela signifie qu'il a donc abandonné dans le scellement de Dieu pour accepter celui du diable. Voilà pourquoi j'ai dit la démonisomai est un acte dans lequel je participe. Satan ne peut pas prendre quelqu'un sans un pacte. Même à Jésus-Christ, rappelez-vous quand il a tenté à Matthieu 4:4, il arrive, il dit que donne-moi ceci. Il y a toujours un accord tacite. Sinon, Satan aurait possédé toute la terre entière. Il ne peut pas. Parce que par création, tout être humain qui a été créé par Dieu appartient à Dieu. Donc, Satan n'a pas l'autorisation de les posséder comme ça. Mais quand tu rentres dans l'alliance avec lui, c'est là maintenant, il travaille avec toi jusqu'au jour où tu refuses de faire sa volonté. C'est là où les problèmes arrivent. Si quelqu'un travaille avec le diable dans la franc-maçonnerie, dans les sectes, comme on a vu au village et tout ça, les sorciers, vous n'aurez jamais un problème avec Satan. Le problème revient quand Satan vous demande de faire quelque chose et vous n'y arrivez, vous ne voulez pas le faire. C'est à ce moment donné que nous voyons des gens devenir fous, malades mentaux, ainsi de suite. Je disais, si je comprends bien, un chrétien ne devrait pas avoir peur du diable. Il ne devrait pas. Il ne devrait pas avoir peur des démons. Voilà. Il ne devrait pas entretenir l'idée qu'il faille ouvrir sa Bible quand il va s'endormir pour être protégé comme un talisman, comme un fétiche. En conclusion, qu'est-ce que nous pourrions dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui qui ont manifesté une certaine crainte? Certains peut-être ne se sont même pas connectés pour ne pas être en contact avec les démons que nous sommes, peut-être. Mais en réalité, qu'est-ce que nous pourrions dire à nos internautes par rapport à tout cela? Les manifestations, les miracles à grande échelle, spectaculaires, sont-ils réellement des signes que ceux qui les pratiquent sont investis du Saint-Esprit? Ça, c'est une question. Oui ou non? On va dire
on va dire non, le miracle n'est pas nécessairement la preuve que nous avons en présence l'action de Dieu, puisque nous avons conclu que le diable peut travailler avec des instruments humains pour faire des choses surnaturelles. Donc, le miracle n'est pas le signe sur lequel on peut se reposer pour dire « Oui, ça, c'est l'action de Dieu. » Ce serait prendre un risque, parce que Satan peut aussi le faire. L'autre question est-ce que dans le monde chrétien, des miracles authentiques sont pratiqués, même s'ils ne sont pas spectaculaires, mais est-ce qu'ils existent? Oui, ils existent. Ça me permet de répondre à une question qui a été posée. Marc chapitre 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Une liste est donnée. Donc, le miracle accompagne le ministère de la proclamation de l'Évangile, y compris effectivement la délivrance, qui n'est pas un ministère à part entière. La délivrance accompagne, c'est un élément qui accompagne le ministère de la proclamation de l'Évangile. C'est pourquoi quelqu'un a posé la question de savoir pourquoi ne pas faire alors un ministère dédié uniquement à la délivrance. Nous disons non, personnellement je dis non, pourquoi? Parce que bibliquement, la Bible m'enseigne que la délivrance, les miracles sont des signes qui accompagnent le ministère de la proclamation de l'Évangile. Car avant, après tout, le but de Dieu n'est pas nécessairement de nous délivrer de nos maladies. Le but ultime de Dieu, c'est de nous accorder la grâce d'être au ciel avec lui quand il reviendra. En d'autres termes, si Dieu fait un miracle, c'est pour atteindre cet objectif, le salut de l'âme. Si Dieu opère une délivrance, c'est pour le salut de l'âme. Il ne le fait pas pour le faire, comme a dit, je crois, le pasteur Voltaire, je crois, dans son intervention. Il ne fait pas le miracle pour faire le miracle. Il le fait parce qu'il a un but à atteindre, le salut de Dieu. Le salut de l'âme qui reçoit la délivrance ou la guérison. Okay. Pasteur Roger, oui? J'aimerais corroborer l'idée avancée par pasteur Oguma pour dire une chose. Les miracles, de façon générale, éclipsent à nos yeux le miracle, celui de la mort de Jésus à la croix du calvaire pour le salut des humains. Et s'il y a un miracle qui devrait être sans cesse devant nos yeux, c'est celui-là. Comment Dieu a-t-il fait pour sortir l'homme du péché et le sauver? Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est surnaturel. Ça, c'est incompréhensible. Et l'esprit de prophétie dit qu'il faudra l'éternité pour analyser cette science, tant elle est vaste, tant elle est grande. Et nous devrions nous focaliser davantage sur le miracle de la justification par la foi. Voilà ce dans lequel nous devrions plonger nos regards. En deuxième lieu, j'aimerais aussi dire que dans Apocalypse chapitre 13, verset 14, il est parlé de ce trio infernal qui va se mettre en place à la fin des temps. Hein? Le dragon, la bête, le faux prophète, la bête qui sort de la mer, la bête qui sort de la terre, et qui va donc réaliser des prodiges au point de séduire, d'accord? Et toute la terre sera en admiration derrière la bête. Attention, Dieu nous demande d'être vigilants. Si nous sommes happés par la culture du miracle, du miraculeux, du fait extraordinaire, nous pourrions nous retrouver du côté des personnes séduites à la fin des temps. Et c'est donc la raison pour laquelle il est important pour nous de nous arrêter à la parole, à ce que Dieu a dit, a déclaré, aux Amen. Choses qui sont peut-être trop simples à nos yeux, mais qui nous emmènent résolument vers la vie éternelle. Alors, une question de conclusion, en fait, devons-nous faire confiance à quelqu'un, fût-il pasteur ou occupant une position ou ayant une activité au sein de notre communauté religieuse, qui se présente comme un chasseur d'esprit, un délivreur de démons, quelqu'un qui prétend être investi de la puissance de Dieu pour libérer tout le monde? Peut-on faire confiance à de telles personnes et accorder un crédit suffisant pour qu'elles puissent même organiser des séminaires pour que nous puissions traquer les esprits? Devons-nous... Moi, je vais te donner ma réponse. Ma réponse, c'est que je doute de ces personnes.
Et nous en avons rencontré tellement avec le pasteur Tony. C'est des gens qui viennent avec une grande force, qui disent qu'ils sont les délivrés. Le modèle de Dieu, il est simple. Dieu a donné des dons à tous les croyants. Tu peux être pasteur d'église, mais c'est ton diacre qui a le don de délivrance. C'est possible. Mais le don, le modèle que tu vois là, c'est seulement le pasteur qui peut délivrer. C'est un modèle dont je mets en doute. Et c'est un modèle qui est faux et satanique. Moi, ce que je pense, c'est que l'église n'est pas restée orpheline. Lorsque l'église est en mission, comme a dit le pasteur Tony, l'église a la force du Saint-Esprit avec elle pour pouvoir, lorsqu'il rencontre des gens que Satan doit libérer, Satan doit laisser, et il ne veut pas parfois les laisser, alors il y a une rencontre d'esprit. Le Saint-Esprit et le mauvais esprit se battent en nous, les hommes, ainsi de suite. Mais maintenant, quand je vois seulement une certaine catégorie de personnes, je vois des gens de la France qui vont dans des pays comme le Togo, le Bénin, pour rencontrer des pasteurs, pour être délivrés. Ce doute-là, j'ai vraiment un problème avec ce modèle qui n'est pas un modèle de la parole de Dieu. S'il y a des dépossessions en France, Dieu aura des enfants, des filles et des fils là-bas pour assister ces gens. Et on n'a pas besoin de voyager parce que le Saint-Esprit est partout. C'est pour cela que Jésus a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le consolateur. Il est partout. Là où l'Esprit est, il y a la liberté, il y a la délivrance. Donc la question qu'on pourrait poser, qui peut chasser les démons, guérir les malades, et dans quel type de ministère cela est possible? Est-ce que c'est la prérogative d'un pasteur ou d'un corps ecclésiastique, ou est-ce que cette possibilité est offerte à tous les chrétiens qui croient en Dieu et qui lui font confiance? Oh, ça me tient de la réponse. Tu as donné la réponse à la question même. Oui. Le problème avec ceux-là qui se proclament exorcistes, c'est qu'ils donnent l'impression que c'est eux ou c'est elles qui délivrent ces personnes possédées. Mais à partir du moment où nous admettons ou nous croyons que ce n'est pas nous, mais c'est Dieu. À ce moment-là, Dieu peut passer par n'importe qui pour délivrer un possédé. Bravo, parce que là, je suis entièrement d'accord avec toi. D'accord. Bien, puisque nous sommes tous d'accord, j'aimerais rappeler que le docteur Etugé Anani a écrit deux livres. Un livre intitulé « Que dit la Bible sur la possession démoniaque et la prière pour les malades ?» Vous pouvez toujours entrer en contact avec lui sur le chat pour qu'il vous donne les coordonnées de ce livre que vous pouvez probablement trouver sur Amazon ou en quelque part d'autre. Il y a donc un autre livre qu'il a écrit et que j'aimerais aussi vous soumettre. C'est « Le chrétien ne peut pas être possédé ». C'est une affirmation. Alors, cette affirmation, nous allons la convertir en question. Quand un chrétien se dit possédé ou manifeste des signes de possession, qui doit le délivrer? Pasteur, rappelle-toi tout à l'heure, je disais donc que quand Judas avait reçu le diable dans son cœur, possession claire, Jésus n'a pas fait de délivrance. Tu sais pourquoi? Hébreux chapitre 6, verset 4 dit ceci. Hébreux chapitre 6, verset 4 dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Si un chrétien qui a accepté Christ, maintenant devient possédé, ça veut simplement dire qu'il a fait le péché contre le Saint-Esprit. Et à ce niveau, ni tes prières, ni les miennes ne peuvent faire grand-chose, parce que nos prières, comme a dit le pasteur Tony, c'est les prières dans la mission. Des gens qui n'ont pas eu la grâce de connaître Dieu. On va, on les rencontre, on les délivre par la puissance de la parole. Mais quelqu'un qui est rentré dans la relation avec Dieu, qui a la puissance comme toi et moi, et qui l'abandonne pour pouvoir prendre la puissance de Satan, il n'y a que Dieu seul qui peut aider ces personnes. C'est pour cela que dans 1 Timothée chapitre 2, versets 26 à 25, la Bible dit que peut-être que s'il se repent, Dieu donnera la repentance. Ce n'est qu'une éventualité, mais ce n'est pas une assurance. Quand quelqu'un a péché contre le Saint-Esprit, il n'y a aucune assurance qui revienne dans les droits légaux. OK. Donc, pour conclure, je pense que nous sommes arrivés
au point qu'il n'est pas nécessaire de créer un SAMU spirituel pour délivrer tous ceux qui sont en danger et faire en sorte qu'il y ait une sorte de salle d'urgence où tous les possédés, les malades viendraient pour obtenir les premiers soins. Et finalement, si je comprends bien, si un chrétien qui se dit chrétien se présente comme un possédé, il faut plutôt le laisser continuer à croire qu'il est possédé et puis l'aider plutôt à rencontrer Jésus. Alors, merci d'avoir été là ce soir. Merci pour vos interventions, Pasteur Pradel, Pasteur Tonio Gouma. Malheureusement, pour des problèmes de connexion, nous n'avons pas pu avoir le docteur Zachary Kassoulé. J'espère que la semaine prochaine, ce sera possible. Docteur Amégan, Pasteur Voltaire, Docteur Etougué, Laurence et Denis Billet. Merci pour votre intervention de ce soir. Et j'espère qu'au terme de cette émission, de nombreux chrétiens qui ont peur, qui sont un peu atterrés par l'idée qu'ils puissent être possédés, pourront pratiquer leur vie normale en Christ sans avoir peur de celui qui a été vaincu. Car le Seigneur Jésus dit, petits enfants, je vous écris ces choses parce que vous avez déjà vaincu le malin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je vous souhaite réellement une bonne semaine.